Mais avant cette triste nouvelle qui endeuille votre chaîne locale TNTV, notre collègue et ami Thierry Théamo est décédé hier soir, âgé de 55 ans. Thierry était l'un des pionniers de la rédaction au début de TNTV en 2000. Il avait récemment été promu au poste de rédacteur en chef adjoint. Son calme légendaire et sa douceur ont marqué nos esprits. Ses collègues de travail avec qui il a commencé l'aventure à TNTV ont tenu à lui rendre un dernier hommage ce soir, des témoignages recueillis par Davidson Bennett. Élèves de l'école Saint-Hilaire de Faaa se sont retrouvés sur la ligne de départ. C'était le 29 août 2000. Appelé seulement deux mois en poste, Thierry, jeune journaliste et rédacteur en chef adjoint de Tahiti Nuit Télévision, présentait le tout premier journal en français de la chaîne. En 2004, il prend la suite de Mateatamam Atouayahoutapou et devient rédacteur en chef. C'est vrai que je me souviens de cette époque, les tout débuts de TNTV. Après quelques mois, on a décidé de présenter le journal. Et on était quatre avec Thierry, Belinda et Thierry à faire une formation en accéléré pour présenter. Thierry a tout de suite amené de la simplicité et du professionnalisme. C'était quelqu'un de consensuel, de calme. Il était très à l'aise devant la caméra et il a amené cette proximité au niveau de la chaîne, ce qui a fait grandir la chaîne. Et voilà, il va beaucoup nous manquer. Les premiers JT, on n'avait pas de prompteur. Ça a duré pendant plusieurs semaines. Et Thierry a assuré le journal et moi le VA. On n'avait pas encore eu de formateur à ce moment-là. Et c'est vrai que c'était quelqu'un de plaisant avec qui travailler. Nommé en juin dernier rédacteur en chef adjoint, Thierry était un peu la force tranquille de la rédaction. Il écoutait, observait avant de réagir. Il savait être à l'écoute de ses collègues de travail et partager volontiers son expérience. Son calme légendaire nous manquera. Il est vrai qu'il n'est jamais facile de perdre quelqu'un, mais c'est le cas aujourd'hui et je suis profondément attristée par le départ de Thierry. Nous avions démarré ensemble à TNTV il y a 20 ans et on peut dire que Thierry nous a apporté l'expérience que nous n'avions pas, puisque lui, il avait déjà travaillé auparavant à la radio, même dans la presse écrite. Et d'ailleurs, je me souviens que lorsque j'avais commencé à TNTV, c'est Thierry qui m'a donné une astuce comment travailler la diction, parce que c'est important lorsqu'on est journaliste, d'autant plus qu'on doit livrer des informations. Je garde aussi de Thierry ce calme qu'il avait. Il avait tendance à recadrer tout le monde lorsqu'on commençait un peu à partir en vrille. Et c'est vrai que cette voix calme, cette sagesse de Thierry nous a toujours amenés sur le bon chemin. Sa disparition est une perte énorme pour notre chaîne. Ce n'est pas seulement un collaborateur qui s'en est allé, mais un ami, un membre de la grande famille de Tahiti Nuit Télévision. Pour lui rendre hommage, notre studio news sera baptisé Thierry Théamo.